Salut tout le monde, c'est Thomas et je se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes cloportes. Voilà, petite vidéo, description, j'avais dit que j'en allais faire... donc là, normalement, c'est programmé d'en faire 5, donc voilà, là, ça va être ma deuxième sur les Porcelioprhinosus. Voilà. Alors, avant de rentrer, avant de vous parler de tout ça, j'aimerais d'abord m'excuser du retard. Hein. Donc, j'avais dit que j'allais essayer de faire une vidéo tous les week-ends, voilà, ça ne va pas être possible parce que voilà, avec l'école et tout, pour préparer les vidéos, c'est pas vraiment pratique. Et puis voilà, en ce moment, ça commence à être un peu compliqué et tout. Du coup, voilà, vous aurez des vidéos quand je déciderai d'en faire. Mais sinon, voilà, il n'y en aura pas énormément. Voilà, donc description d'espèce. Donc aujourd'hui, on va parler des Porcelioprhinosus. Donc voilà, j'ai préparé une petite feuille, mais voilà, avec un petit peu de... Voilà, donc pas énormément de choses, hein. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas très très longtemps. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite par la description, description physique de cette espèce. C'est une espèce, pour les couleurs de cette espèce, ça a une très large gamme de couleurs, comme la plupart des cloportes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas le définir, on peut pas définir l'espèce à partir de la couleur. Ça aide, mais ce n'est, faut pas que se baser sur ça. Donc voilà, on peut avoir du bleu, du violet, et du marron orange, voilà, un peu de cette couleur. Mais la plupart du temps, on a du gris. Voilà, alors je vous les montre pas tout de suite, hein, je vais vous les montrer après. Alors c'est une espèce qui peut atteindre de 9 mm à 12 mm, donc 1,2 cm pour ceux qui sont pas super forts en maths, voilà. Ensuite, on peut aussi le distinguer par rapport à son pléon, son péréon. Donc, le péréon sont très distincts l'un de l'autre. Enfin, sont distincts l'un de l'autre, mais pas énormément. Comparé à certaines espèces. Et on reconnaît cette espèce aussi grâce à la prunosité sur tout le corps. Mais ce n'est pas la seule espèce à posséder la prunosité. Alors, prunosité, ça donne aussi son nom, hein, pour c'est le prunosus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la prunosité, alors si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, prunosité. En fait, c'est, on va dire que c'est l'inverse de lys. Voilà, en fait. Voilà, en fait, il a plein de. Comment vous expliquer que ça? Comme une espèce de poudre qu'on a lâchée sur lui. Mais en fait, c'est pas ça du tout, en fait, c'est naturel. Alors, moi, je vais faire une petite remarque, hein. C'est que en fait moi ce que j'ai remarqué moi c'est que quand les cloportes par exemple quand j'humidifie le terrarium qu'elles sont mouillées, cette prunosité disparaît. Mais quand on les laisse par exemple le terrarium, je l'ai pas humidifié ce matin parce que je l'ai humidifié hier, donc vous verrez que les cloportes sont de couleur gris, on distingue bien la prunosité sur leur corps. Donc voilà, c'est parti, je vais vous les montrer, voilà. Désolé pour la netteté d'image, c'est pas top. Voilà. Donc alors, je vais essayer de vous les montrer. En mieux, 2 secondes. Alors. Là, on peut bien les voir. Bon. Ah oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est aussi que les Non. Pas les péréoniques, alors je me souviens plus du nom. Attendez, je cherche, j'avais noté quelque part. Oui, voilà, les uropodes. Les uropodes ont une forme de lance. Alors, qu'est-ce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un uropode, alors je vais essayer de vous en montrer un. C'est un peu compliqué là. Ça fait qu'il bouge, parce que là, bon, voilà, je les filme, mais c'est pas des animaux qui adorent forcément la lumière. Vous voyez, il y a comme deux petites queues à la fin de leur corps, en fait, et c'est ça les uropodes. Et bien, ces deux uropodes là, en fait, sont dirigés vers le haut. Vous voyez à peu près à quoi ressemble cette espèce. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de la répartition géographique. Alors, c'est une espèce qui a qui est d'origine des régions méditerranéennes. Voilà. Méditerranéenne. Voilà.
Voilà, et donc aujourd'hui, cette espèce, bah, en fait, on peut la retrouver un peu partout en fait. Parce qu'en fait, elle a suivi l'homme dans tout le déplacement, et on peut dire qu'elle est un peu comme l'autre, qu'elle est un peu cosmopolite. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, donc c'est une espèce qu'on peut retrouver facilement partout. Donc voilà, c'est une espèce qui généralement aime les climats chauds et humides en fait, un climat un peu tropical, on va dire. Voilà, et c'est une espèce qui supporte très très bien la sécheresse. Voilà, donc maintenant, je vais vous dire. Alors, oui, aussi, avant de terminer sur la répartition géographique à La Réunion, on peut les retrouver facilement dans les habitations, dans les composts généralement. Dans les composts, dans les tas de feuilles mortes qu'on peut faire généralement. Et en France, ça va être bah, pareil, dans les composts. Dans le milieu naturel, ça c'est généralement, bah voilà, comme je l'ai dit, dans les milieux méditerranéens. Voilà. Donc là, on a un cloporte qui vient juste de muer. Avec une espèce aussi assez rapide, ce que j'ai oublié de préciser. Celui-là, il vient de muer, ça se voit par rapport à la couleur de son corps en fait. Vous voyez que l'arrière est clair et l'avant foncé. Voilà, maintenant l'élevage. Alors, l'hygrométrie. Ah là là, bon, l'humidité, on va dire, parce que sinon ça va m'ennuyer. Alors, moi, je vais dire à peu près 70% d'humidité, c'est parfait pour l'élevage de ces cloports. La luminosité, bon, ben voilà, vous n'en avez pas forcément besoin, à part pour l'observation. Peut-être pour faire un petit peu de soleil quelquefois, mais bon voilà, c'est pas vraiment indispensable. La reproduction maintenant. Alors c'est une espèce qui. C'est un élevage qui fonctionne assez bien. Les espèces se reproduisent assez facilement. Très facilement même. Donc voilà, c'est un élevage que vous pouvez tenter. Hein, parce que ça, c'est pas très très compliqué. Hein, ça demande moins. Voilà, quand vous pouvez humidifier une fois tous les 3 jours, le cloporte va survivre, on va dire. Voilà. Et la durée de vie, alors c'est un cloporte qui peut vivre jusqu'à 2 ans. Voilà, donc bah, je crois que j'ai tout dit sur cette espèce. Hein. Donc bah, j'espère que bah, ma vidéo vous a plu en tout cas. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook, Les Cloportes de Thomas. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour me suivre, à commenter si vous avez des questions. Voilà, j'y répondrai. Ah, alors oui, j'ai pas fait attention. Alors, ah, j'ai complètement oublié. Parce que en fait, j'avais dit que j'allais faire un système en fait où vous répondez aux questions que vous avez posées par commentaire. Et là, j'ai complètement oublié de les prendre ces questions. Je m'en excuse. Je suis vraiment très très désolé. Alors là, bon, je sais que certains d'entre vous ont désisté. Et bon, voilà. Hein, dans la prochaine vidéo que je ferai, j'essaierai de répondre à vos questions que vous m'avez posées en commentaire. Je m'excuse encore une fois, hein, là en ce moment, voilà. J'ai de la tête ailleurs, on va dire. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à poser vos questions. J'y répondrai soit directement par commentaire ou soit par vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao tout le monde.